Audrey Fleurot est passée sous le bistouri, son passage à la télévision laisse place au doute. On te raconte. On ne présente plus la talentueuse Audrey Fleurot. La comédienne continue de briller pour son rôle principal dans la série à succès HPI. Invitée sur le plateau de Quotidien pour parler de ses futurs projets, elle y a fait une apparition remarquée. Et sur les réseaux, les réactions n'ont pas tardé. Sur X, les internautes n'ont pas manqué de commenter l'apparence de l'actrice. Plusieurs personnes se sont interrogées sur ses traits, certains les trouvant figés. Elle a fait quoi à son visage, Audrey Fleurot? C'est la chirurgie ou les injections en trop? D'autres se disaient même choqués. Alors, chirurgie esthétique ou simple évolution naturelle? Face à ces critiques, Audrey Fleurot n'a pas hésité à s'exprimer à ce sujet. À l'intérieur, je suis la même qu'à 20 ans. Mais le décalage avec la personne que tu es physiologiquement et ce que te renvoie la société est très déroutant. On est dur avec les actrices, elles n'ont pas le droit de vieillir, et en même temps, il ne faut pas qu'elles fassent de chirurgie. Audrey avait déjà évoqué cette pression liée à l'apparence, et elle ajoutait même avec une pointe d'humour que si un jour elle avait envie de faire un lifting, elle le ferait pour se sentir mieux avec elle-même. Elle en avait même offert un à sa mère. Comme d'habitude, Audrey Fleurot affronte ses haters, et elle continue d'assumer qui elle est, et c'est pour ça qu'on l'aime.